Nantes en commun, vous en avez entendu parler, une nouvelle étape arrive. Nous nous sentions impuissantes, impuissants, par rapport à notre quartier, à notre ville et dans nos vies en général. On vit dans un quartier entouré d'autres personnes qu'on ne fait que croiser. On vit dans des quartiers qu'on voit se transformer à coups de millions malgré nous, et on ne sait comment faire face aux problèmes du quotidien. Pourtant, comme toutes celles et ceux qui veulent construire Nantes en commun, nous avons des besoins, des envies et des rêves. Déjà, avec plusieurs centaines de personnes, nous avons lancé des enquêtes sur des thèmes liés à notre vie en ville. L'alimentation, l'énergie, les transports. Le 24 avril, avec Nantes en commun, on passe à une nouvelle étape et on reprend la main sur nos quartiers. Parce qu'on est convaincus que nous, habitants et habitantes de Nantes, on connaît nos quartiers mieux que quiconque. Reprenons-les en main. Discutons, partageons nos pépites, choisissons les bâtiments et les places à nous réapproprier. Identifions les besoins auxquels nous répondrons par la solidarité. Prenons soin les uns des autres pour bien vivre ensemble. Explorons nos quartiers pour les rendre véritablement écologiques. Par le commun, agissons avec les usagers et usagères, des transports, des rues, des parcs, des écoles, des hôpitaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, le 24 avril, on se retrouve juste ici, à la salle de la cigarière, derrière la manufacture des tabacs. Et on va, ensemble, faire vivre une politique du quotidien avec nos voisins et nos voisines dans chaque quartier nantais.